Assemblée en ce sixième dimanche du temps ordinaire de l'année B pour magnifier le nom de Dieu pour toutes les merveilles réalisées dans notre vie. La liturgie de ce dimanche nous donne de méditer sur la purification d'un lépreux par Jésus. En fait, animé par le désir d'être guéri, le lépreux supplia Jésus qui le guérit et le renvoya se intégrer dans la société. Dans un élan de foi, nous venons rendre grâce à Dieu à travers cette Eucharistie et lui demander la grâce de la purification et de la conversion. À présent, veuillez vous mettre debout et chantons avec la chorale pour accueillir le célébrant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce dimanche 11 février, l'Église célèbre la fête de Notre-Dame de Lourdes, patronne des malades. Elle célèbre aussi la Journée mondiale de la santé. Ce matin, nous prions pour la guérison de notre cher Haïti. Nous offrons au Seigneur, à travers cette célébration eucharistique, toutes les personnes malades, troublées et bouleversées, surtout au niveau de l'archidiocèse de Port-au-Prince. La pastorale de la santé est en joie de pouvoir se présenter en présence de Dieu, en communion de prière avec toutes les autres paroisses pour célébrer cette journée mondiale des malades. Préparons nos cœurs, frères et sœurs bien-aimés, à offrir au Seigneur ce grand mystère de la foi, tout en reconnaissant bien que nous avons péché. Nous nous présentons au Seigneur comme des personnes
malades qui ont besoin de sa grâce de guérison, à l'instar de ce lépreux de l'Évangile du jour. Demandons au Seigneur d'avoir pitié de nous humblement. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je connais devant frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. C'est où un ancien là?
divin soudeya. Aidez pour ne pas tomber. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter le cœur droit et sincère. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Lévites, chapitre 13, versets 1 à 2, puis 45 à 46. Dans le livre des lois d'Israël, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une tache, qui soit une marque de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron. On a l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint de cette plaie portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur !» Tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Sa demeure sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous allons méditer ensemble le psaume 101. Après chaque soif, nous chanterons ensemble. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. N'oublie
Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage. Le jour où la détresse me prend, le jour où j'appelle. Écoute-moi, n'attends pas pour me répondre. Mes jours s'en vont en fumée, j'ai comme un brasier, comme dans les eaux. Mon cœur se dessèche comme une herbe fauchée. J'en oublie de manger mon pain, à force de crier ma plainte. Je n'ai plus que la peau sur les eaux. N'oublie pas, Seigneur, le cri des malheureux. Du ciel, le Seigneur s'est penché, le Très-Haut, le Très-Saint a regardé la terre. Pour entendre la plainte des captifs et libérer les condamnés à mort. Et moi, je lui dis, mon Dieu, ne me prends pas au milieu de ma vie. N'oublie pas, de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, jusqu'au chapitre 11, verset 1er. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. En toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde. Je ne cherche pas mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Prenez-moi pour modèle. Mon modèle à moi, c'est le Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. Si tu le veux, tu peux me purifier. Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout, on venait à lui. Mes frères et sœurs bien-aimés, chaque année, le 11 février, l'Église universelle célèbre la Journée mondiale des malades. Et également, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, patronne des malades. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour célébrer cette messe en communion avec toutes les personnes malades au niveau de l'archidiocèse de Port-au-Prince et également en communion avec tous ceux et celles qui souffrent dans le monde. C'est une grande coïncidence avec la fête Notre-Dame de Lourdes. L'évangile que nous venons de proclamer met en évidence la guérison d'un lépreux. Normalement, dans l'Ancien Testament, la lèpre était considérée comme une malédiction de Dieu. C'est une maladie qui était exclue mounio, non seulement de la société, mais aussi de l'assemblée ecclésiale aussi. Donc, maintenant, il était considéré comme un monde qui exclut socialement, mais puisqu'ils sont punis de Dieu, il n'y a pas de place non plus dans le temps assembler l'église là. Jésus guérit Mounsa, monsieur ça, qui criait vers lui, sois miséricordieux et si tu le veux, tu peux me purifier. Alors Jésus répond avec monsieur ça, je le veux, sois purifié. Purification, monsieur ça, pour nous, Jodia, il y a un signe tangible de la compassion de Dieu pour les gens qui souffrent, pour les gens qui sont malades. C'est un signe tangible de la manifestation du royaume de Dieu et de sa proximité
à l'égard de tous. Matthieu, Saint Matthieu écrit, Jésus, en parlant de Jésus, il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissait les malades. Normalement, Saint Matthieu permet de nous identifier deux éléments fondamentaux de la vie de Jésus. Sa vie publique, bien sûr, qui est intense et qui paraît brève devant yeux nous. Tout d'abord, c'est la proclamation de la bonne nouvelle et ensuite la guérison des malades. L'Église recevra du Christ cette mission de proclamer la bonne nouvelle et celle de guérir les malades et les infirmités. Donc, ça paraît deux œuvres essentielles pour que l'Église là remplit mission comme envoyée dans ce monde pour évangéliser le monde. Alors, frère Seigneur, il n'est donc pas surprenant que Marie, mère et modèle de l'Église, soit invoquée et vénérée comme salut des malades. En tant que première et parfaite disciple de son Fils, elle a toujours manifesté en accompagnant le chemin de l'Église une sollicitude particulière pour les souffrants de ce monde. Alors, c'est une grâce bien spéciale. Je dis à l'Église là, l'y fait nous, l'y permet en l'honneur de Marie, Notre-Dame de Lourdes, n'a célébré la messe pendant n'a songé tout silayo qui potait marque souffrance monde ça. Tout silayo qui malade. C'est un gros témoignage également pour la pastorale de la santé de l'archidiocèse de Port-au-Prince qui, à travers diocèse là, a contribué dans la mission universelle ça que l'Église l'a gagné pour permettre aux gens de joindre soulagement dans le corps, dans l'esprit, pour permettre aux gens de vivre dans la dignité comme petit garçon et petite fille, bon Dieu. Dis seulement une parole et je serai guéri. Cette parole du centurion, l'Église nous l'a fait proclamer à chaque Eucharistie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À ce moment-là, l'Église fait nous prendre conscience que nous toutes et nous chaque devant bon Dieu, nous sommes des personnes malades. Nous avons toujours besoin de la grâce de la guérison de Dieu pour nous marcher chaque jour sur le chemin royaume. Maladie nous gagne devant bon Dieu. Ce n'est pas seulement considéré comme des maladies physiques, des pathologies que un médecin généralement capable de diagnostiquer, mais il y a également des maladies spirituelles, maladies parfois morales, maladies sociales parfois, qui empêchent nous de vivre bien avec Frenio, avec Senio. Il y a d'autres maladies de nos jours dans le monde qui sont encore plus graves parce que la lèpre. Dans la première lecture, dans l'Ancien Testament, Noé, qui a été traité, les gens qui ont la lèpre là. Et d'ailleurs,
lui doit toujours identifier comme un lépreux pour que personne ne croise le chemin parce que l'idée interdit pour un monde rencontrer avec un monde qui a la lèpre. Et dans l'évangile là, Jésus-Christ rencontré avec monsieur ça qui a la lèpre là. Déjà, Jésus-Christ brisé une interdiction puisque la loi de Moïse était formelle, était très stricte sous question ça. Alors, frère Seigneur, encore de nos jours, nous gagnons de graves maladies que le monde noir en souffrir. Il y a encore de graves maladies que le pays d'Haïti les souffrir, comme l'égoïsme ou l'égocentrisme, qui parfois fait que nous comprenons que c'est nous-mêmes seuls qui vivent dans le monde. Ou bien côté nous hier, c'est nous-mêmes seuls qui existent. Ou bien côté notre travail là, c'est nous-mêmes seuls qui ont droit ou bien qui ont besoin pour manger. C'est nous-mêmes seuls qui ont besoin pour gagner l'argent ou bien qui ont droit gagner l'argent. Ça permet de nous présenter nous devant bon Dieu comme des personnes malades. C'est aussi une maladie, l'égoïsme. Nous gagnons également maladie qui fait nous comprendre c'est nous seuls qui c'est le chef. Après nous, pas gagné encore et comme si avant nous, pas de jambes gagné. Autrement dit, nous comprenons que nous indispensables, sinon pas là, rien pas marcher. Parfois, dans la société, dans la société, dépendamment de fonctions nous remplies, et même dans l'église, là, souvent nous pensons, depuis nous pas là, pas rien qu'à fait qui bon, parce que c'est nous qui comptons toute bagaille, c'est notre qui fait toute bagaille. Ça, c'est aussi une maladie. Si on lèpre également, pour nous demander, mon Dieu, pour guérir nous de maladie, ça. Il y a également la tendance de considérer l'autre comme son adversaire. C'est aussi une maladie. Nous sommes dans l'autre monde, il y a un monde qui est capable ou bien capable de venir remplacer nous. Et nous traiter comme adversaire, comme un ennemi. C'est une maladie pour nous combattre en Haïti et aussi pour nous combattre dans l'église là. Pourquoi? Parce que mon Dieu crée nous tous semblables avec lui, à son image et à sa ressemblance. Et comme créés à l'image de Dieu et filles et fils de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs, non pas des ennemis, non pas des adversaires, mais non, c'est des frères et sœurs. Et c'est pour ça que les membres ont souffert dans l'église là, c'est toute l'église là qu'a souffri. Et l'église dans sa sagesse li, li érigé un dicaster qui occupait de la santé des malades, de la santé de l'âme et du corps. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que yon moun malade qui fait l'église là mettre le de côté. Non, au contraire, l'église là li doit chercher et accompagner tout le monde qui est malade, tout le monde qui a souffert. Souvent, nous avons droit dans la chorale, dans l'église, là, dans la liturgie, dans toute activité. Et quand nous tombons malade, personne ne va demander pour lui, personne ne va aller voir, personne ne va aller prier avec lui, personne ne va aller chercher. Et pas ça, l'église demande non. Nous faisons le contraire. Nous faisons le contraire par rapport avec exigence l'évangile. Là. C'est pour nous toujours porter une attention soutenue yon envers l'autre pour que nous capables continuer marche non vers le royaume des cieux. Alors frère Seigneur, je dis c'est moment pour nous la prière mon Dieu par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes que l'église a fêté jeudi et qui c'est patronne maladie. Sorti 11 février pour arriver 16 juillet
1885, la Vierge Marie, dans la grotte Marsabiel, lui paraît 18 fois avec Sainte Bernadette. Bernadette, que vous fêtez une semaine après Notre-Dame de Lourdes. Alors, dans l'apparition Sayo, la Vierge Marie t'a fait plusieurs révélations avec Bernadette. Mais Bernadette, comme si là, qui te vive apparition Sayo, la Vierge Marie t'a fait la promesse que l'Ipap heureuse dans le monde ça, mais la heureuse dans l'autre monde. Et Bernadette, il était souffri en pile, il mourit très jeune, et bon Dieu permet de vivre dans le ciel là, et l'Église fait non célébrer lui comme modèle tout de suite après fête Notre-Dame de Lourdes. Alors, frères et sœurs, on nous demande bon Dieu la grâce, même Jean avec la petite Bernadette, chaque jour, nous travaillons pour nous arrêter dans la volonté, bon Dieu. Nous travaillons pour nous accompagner si la yo qui pi faible. Nous travaillons pour que la vie moun capable de respecter. Car pour bon Dieu, toute vie comptait. Toute vie comptait pour bon Dieu. Pour nous respecter la vie et le sang. Sans personne, moun pa gen droit couler. Nous toujours, parfois, prenons mauvais chemin. Nous toujours, parfois, quitter chemin, bon Dieu. Nous toujours parfois oublier si c'est bon Dieu qui met la vie, si c'est bon Dieu qui met nous, si c'est bon Dieu qui met le temps et l'histoire, si c'est bon Dieu qui a gouverné nous, que quel que soit pouvoir nous gagnons, quel que soit force, énergie que nous gagnons, quel que soit connaissance nous gagnons, et peut-être quel que soit quantité bien matériel nous posséder, souvent oublié, n'a fait tant, n'a quitté tant. Le temps est à Dieu. C'est bon Dieu qui est là pour tout le temps. Nous même non là pour un petit temps. Souvent, nous oublié ça. Et ça fait que nous comportons, nous ériger en ça nous pas jamier, en ça nous pas jamier. C'est yon présomption, c'est une prétention qui fait parfois nous ériger en maître et seigneur. Nous quitter jalousie et l'orgueil qui est diabolique et satanique, gonfler que nous. N'oublier si c'est mon Dieu qui met existence nous. Nous tomber dans la méchanceté, nous faire une autre souffrir. Nous tuer, nous craser, nous briser, comme si nous-mêmes nous pas jamais mourir, nous pas jamais quitter terre. Nous oublier si la vie nous éphémère, nous oublier tout ça, nous bataille pour yoa. Nous venons jouer nous là et nous prenons quitter yoa là. Pas bataille pour femme, nous venons jouer une femme là, nous prenons quitter femme là. Pas bataille pour l'argent, nous venons jouer l'argent là, nous prenons quitter l'argent là. Pas bataille pour machine, nous venons jouer une machine là. Et ou ap mouri, machine ap menon dans cimetière, ou ap kite machine la. Ou ap bataille pour l'argent, pour bien de la terre, pour pouvoir, ou vivre un pouvoir là, et ou ap mouri, ou ap kite pouvoir là. Quel que soit, ça nous attache avec lui. Et que nous détruit, nous crase, nous brise, peut-être lui, nous te vivons ni là, nous prale, nous kite là. Nous oublions souvent sinon c'est gérant, nous oublions souvent. Sinon pas mettre, nous pas mettre en rien qui sous terre. Bon Dieu pas ban nous mettre en rien sous terre. Lui même lui c'est maître création, lui créer création, lui seulement placer nous comme gérant de la création.
yo bon yon bagay gérer le bien. Yo mande compte, faut que vous prêt pour rendre compte, pour bay compte rendu, pour bay rapport de gestion. Et même Jean, nous toutes là nous quitter terre. Bon Dieu a mandé nous compte de gestion la vie nous, qui ça nous t'a fait de bon dans la vie nous pour faire plein travail bon Dieu a réalisé sous terre. Bon Dieu a mandé nous tout compte. Parfois haïtien pas aimer rendre compte, nous pas aimer bay rapport. Yo met ban nous travail fait nous pas bay rapport. Nous pas aimer bay rapport. Yo bon quantité l'argent pour gérer ou pas bay rapport. Or ça fait partie de la vie nous naturellement. Faut nous rendre compte même j'en gagne pour nous rendre compte avec bon Dieu. Ça fait que souvent n'oublier sinon c'est gérant non érigé non maître Seigneur. Nous comprendre non c'est maître terre. Nous comprendre non là pour tout le temps. Frère Seigneur, souvent maladie rappelez-nous que ça nous comprendre non il y a non pas tout ça. Les nous visiter l'hôpital, les rappeler nous que tout ça nous penser nous hier avec petit corps nous qui bien belle là, bien jaune non, nous pas tout ça vrai. L'homme n'est qu'un souffle. N'est qu'un souffle. Tant qu'on zèbre qui levé grand matin, bien belle et puis le soleil levé, il fané. C'est ça la vie l'homme. Et que sans Dieu, nous ne sommes rien. Les nous visiter l'hôpital. L'en passe dans la morgue, l'en passe dans le cimetière, ça doit faire, ça t'a doué faire prendre conscience que nous sommes qui choye, mais avec bon Dieu. Nous devons prendre soin de présence bon Dieu qui dans nous. Ça bon Dieu déposé dans nous qui est immortel là. Sa présence, le souffle de Dieu en nous. Nous devons soigner pour que les nous qui quittent ça, nous capables de présenter nous dignement devant bon Dieu qui crée pour la vie, qui crée pour nous avec lui pour l'éternité. Frère Seigneur, on nous demande bon Dieu la grâce pour nous vivre devant dans l'humilité, dans la petitesse, pour nous présenter humblement toujours devant Dieu, pour ne pas quitter l'orgueil, grandissait, folie grandait, fais-nous comprendre nous ses rois, fais-nous comprendre nous ses chefs. Et pour l'esprit chef ou monté ou ap crasé ou ap brisé ou ap tout pisé l'autre monde ou ap fait injustice ou ap fait méchanceté. Pour nous comprendre que nous tous et nous chaque, quel que soit ça n'a fait dans la vie ici-bas, nous ne sommes que des serviteurs et des serviteurs inutiles. Parce que si ou pas là, yon l'autre la fait. Moi-même comme prêtre, moi son simple serviteur. Si ce n'est pas mon père, je dis, si je n'ai pas de paix, on l'autre ta paix, yon l'autre ta fait travail là. Je pas fait jodi a yon lot y a faire moi pas indispensable et que personne moun pas indispensable. Nous de comprendre que si bon Dieu ban nous la grâce pour nous capable faire un petit kichoy, c'est pas yon occasion pour n'a monter tête nous pour nous comprendre nous supérieurs par rapport avec l'autre monde, mais au contraire c'est en action de grâce nous de présenter nous devant bon Dieu pour nous comprendre que c'est pas parce que ni non bon, ni non mérité, mais c'est accidentel. C'est grâce, bon Dieu fait non, qui fait les placer non, tel ou tel côté, pour nous rendre service, et que nous devons toujours comporter comme de vrais et de bons serviteurs, fidèles et vigilants par rapport à cela qui confie une mission. On a demandé bon Dieu, même avec Bernadette, qui te fait humble et simple, et c'est avec lui. La Vierge Marie t'a révélé que je suis l'Immaculée Conception avec Bernadette, la petite Bernadette. Petite Bernadette, même première communion, le Patco fait. Même notre Père, Bernadette Patco, capable de réciter normalement. Le Patco connaît sacré les chapelets. Et que c'est avec lui, humblement, simplement, dans une famille modeste, Bernadette sorti. La Vierge Marie paraît avec lui 18 fois. 18 fois. La petite Bernadette, simple, humble. Et que yon paquet de gros zouzoun qui allait avec Bernadette, qui voulait ouais, ça Bernadette ouais, c'est pas avec yo. La Vierge Marie te fait apparition, c'est avec Bernadette. Yo allait avec Bernadette, y a regardé dans la même direction avec Bernadette. Bernadette ouais, la Vierge Marie, yo même yo pas ouais. Bon Dieu révélé, surtout avec Sila qui humble,
si là qui reconnaît yo pas en rien devant nous et lui fait manifester remène ak miséricorde li. Frères seigneurs, dans journée mondiale de la santé à ce moment pour nous réfléchir nous même qui pas dans cabane sous cabane l'hôpital ou bien qui malade la caille nous qui fait qu'a fait effort qui vient l'église qui gagne douleur qui gagne souffrance c'est moment pour nous réfléchir d'abord sur la grandeur de Dieu parce que pas de maladie bon Dieu pas qu'a guéri les tout puissant monsieur a dit Jésus si vous voulez vous capable guérir Jésus-Christ dit oui je le veux sois purifié et à l'instant même aussitôt à l'instant même parole bon Dieu pas de perdre du temps à l'instant même monsieur a les purifié donc pour nous réfléchir sous la puissance de Dieu et également sur l'efficacité de la parole de Dieu. Et c'est le prophète Isaïe qui dit, parole bon Dieu, les papes sortis dans la bouche, hein, pour les papes tourner tout autant, les papes fait ça, bon Dieu, vous le faire. Donc parole bon Dieu, les efficace depuis bon Dieu parler, et ça le dit, c'est réglé, c'est d'accord, c'est bon. Monsieur a les purifié. Eh bien, journée mondiale de la santé a les bonnes occasions pour nous réfléchir sous ce grand pouvoir de Dieu sur le mal et sur le péché. Et deuxièmement, pour nous réfléchir sur l'importance de la santé. L'importance de la santé. Que les gens qui partent main vivent en bonne santé. Hein? Tout le monde a même vivre en bonne santé, pas vrai? Qui laisse monde qui pas malade? Qui est monde qui pas gonti malade? Hein? Gen monde l'église pas malade? Bon, gen doit gen monde qui pas malade qui en bonne santé, hein? Qui pas gonti maladie même on tête fait mal. Hein? Gen monde qui pas jamais malade, qui pas malade, pas vrai? Mais tout le monde a même vivre en bonne santé. Tout le monde a même vivre en bonne santé. Eh bien, journée des bonnes occasions pour nous réfléchir sur l'importance de la santé. Parce que souvent, les gens réfléchissent sur l'importance de la santé, c'est les malades. Mais pas tant de les malades pour qu'on ait importance de la santé. Hein? Pas tant de les malades. Alors, le troisième élément pour nous réfléchir, comme chrétiens et baptisés, est-ce que dans la vie, nous avons visité un malade? Hein? Est-ce que nous avons visité un malade? Combien de fois, ou bien depuis qu'il est, nous visiter un monde qui est malade. Alors, celle-ci bagaille nous devons songer. Monde qui est malade là, ou bien monde qui convient l'église, qui pas qu'à venir l'église encore, qui est malade, même gens avec nous de convient l'église. Et peut-être même gens avec lui un jour, nous ne doit pas qu'à venir encore, c'est monde qui est capable de venir ou non. Et c'est pour ça, l'église là, elle toujours invité nous pour nous vivre en communion. Si nous pas capable, c'est pour l'autre là. Lui soutenir, c'est pour l'autre là accompagner. En nommant des bon Dieu, aidez-nous chaque jour pour que nous comportions comme de bons chrétiens, pour nous comportions comme de gérants fidèles à l'enseignement du Maître, pour nous comportions comme si là vraiment qui c'est des collaborateurs de Dieu, des collaboratrices de Dieu, pour que règne bon Dieu établi sous terre, pour que règne là commence établi en Haïti. Règne d'amour, l'amour, règne de justice et de paix. Nous demandons bon Dieu la paix pour le pays d'Haïti. La paix dans le cœur nous. Et d'abord nous-mêmes, d'abord nous devons tourner de signes de paix. D'abord, chrétiens doivent des signes de paix. C'est-à-dire de monde côté au passé cap simé la paix cap dit non à la violence non à la vengeance mais oui à l'amour oui à la réconciliation oui à l'esprit fraternel qui fait nous songer que nous tous nous ces frères et sœurs et nous tous nous devons travailler depuis nous sous terre pendant pèlerinage nous sous terre pour nous capables arriver un jour avec Jésus-Christ, grand frère noir, dans le ciel-là, dans la vie qui ne peut jamais finir. Au nom, papa, qui est là?
avec l'Esprit Saint. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, professons notre foi. Je crois en Dieu. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, comme peuple de Dieu, peuple de prêtres, peuple de rois, en cette journée de la célébration mondiale de la santé, prions le Seigneur pour toutes les personnes malades. En ces jours très saints, demandons au Seigneur de donner sa force et sa joie à tous ceux et celles qui souffrent dans le monde. Humblement, prions le Seigneur. Les évêques, les prêtres et les diacres, chargés d'interpréter et d'appliquer les lois de l'Église dans un monde de plus en plus en proie à des atrocités inhumaines, qu'ils se laissent toujours guider par le commandement de l'amour. Seigneur, nous t'en prions. Notre Père, nom te supplions humblement. Seigneur, entends nos prières pour ceux et celles qui gouvernent les nations, particulièrement la nôtre, afin que les responsables politiques et économiques travaillent pour éradiquer les épidémies physiques, morales et psychologiques qui nous font souffrir. Seigneur, nous te prions. Pour que les malades gardent espoir et sérénité en unissant leurs souffrances au mystère de la passion du Christ. Seigneur, nous t'en prions. Que les membres de notre communauté paroissiale et ceux qui nous suivent à travers la RTA apprennent à tendre la main à la manière de Jésus à ceux et celles qui souffrent. Seigneur, nous te prions.
d'une façon spéciale, nous pensons à Jean, Léo, Kenny, Félix. Ils ne se portent pas trop bien. Nous demandons au Seigneur de l'accorder guérison dont il a besoin. Humblement, nous te prions, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Par tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable. Ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Des propriétaires Ford Ranger immatriculé AA 23069 là ak Subaru Forester AA 12484 là pour déplacer machine sa yo s'il vous plaît. Merci. Moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie, nous renouvelle
qu'elles deviennent pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la rédemption éternelle. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, je t'offris notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en lui ce que tu aimais en nous. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, «
prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même après le repas, notre Seigneur Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Oh, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Sois-toi, Seigneur, de ton Église, répandu à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Saint-Père, ton serviteur, le pape François, en union avec notre archevêque Max Leroy, notre évêque et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Et souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes malades qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta grâce. Nous te prions pour Jean-Léo, Kenny, Félix et toutes les personnes malades de notre assemblée priante. Nous te prions également pour tous ceux et celles qui célèbrent aujourd'hui un nouveau printemps. Nous t'offrons, Seigneur, Aladdin, Pradine, Anne-Karine Gabriel, Chloré Grasse, Franklin. Nous te prions pour Donald Gélin, Juliette Joseph Fallon, pour Émilien Hérode, membre de la chorale Sainte Famille. Nous implorons ta bonté. Sur Herbie Lindor, Hermione Saint-Hilaire, nous implorons ta grâce. Nous te prions pour Kimara Rijoui, La Falaise Elwin, Lodwana Destinée. Nous te prions pour Lode, Marie-Grâce, Jean-Philippe, pour Marie-Ketly, Bernadette Vitus, Marie-Laude Robin, Marie-Pauliana du village, membre de la grande chorale paroissiale d'Altagrâce. Nous te prions pour Martine Cadet, Madame Almélide Limage, pour Miguette Jean-Baptiste, également membre du groupe Les Amis de Marie. Nous te prions pour Myriel Rocher, Révérend Père Gilbert Nérélus. Nous t'offrons, Seigneur, Rose Maël, Saïka Pierre, Rudolphe Cadet, Suze Wagnac, Thermidor Daphné, Vital Emion. Nous te prions pour Aloud Bruno, pour Mathieu Maïkaïla et surtout ceux et celles qui se recommandent à nos prières. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Perpétuel, notre patronne en Haïti, avec Saint-Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Pour lui, avec lui, rends-lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Reine Seigneur, si on l'ose Jésus-Christ sauvé à dépasser nous, et c'est qu'on s'allie montrer nous la prière, Papa, nous qui n'en ciel là. Sous terre, c'est pour y respecter nous. C'est pour volontiers. Sous terre, pain nos besoins chaque jour. Encore nous pardonner, mon qui fait nous délivrer des. Petit yo en bas, tout sa cap en travé. C'est
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, délivre notre pays de tout mal et donne la paix à notre temps. Donne ta paix à notre nation, donne ta paix à notre monde. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Commandement à pouvoir c'est louange. Kounia. Seigneur Jésus-Christ, toi, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, en cette heureuse occasion, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Frères et sœurs bien-aimés, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
louons encore le Seigneur. Venons à faire goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions, donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes participés dans la messe 6e dimanche ordinaire de l'année B. Dans la messe, nous la prions en façon spéciale pour les malades, parce que jeudi, c'est journée mondiale des malades. Journée spéciale pour nous la prier pour maladio, pour nous confier maladio. Mon Dieu. L'église là, elle gagne une attention spéciale pour toute petite lio, pour si la yo qui connaît épreuve maladie, pour si la yo qui connaît souffrance. Et célébration la messe pour les malades, les présidés par directeur commission diocésaine pour la santé, révérend père Jean-Francler Talleyrand. Nous voulons dire directeur commission diocésaine pour la santé, hein, père Talleyrand, merci pour présence. Merci pour la célébration de la messe là, et merci pour le travail qu'on commence à faire dans la pastoral santé dans l'archidiocèse là. Et de me dire, Père Talleyrand, merci. Gagné dans diocèse là, commission diocésaine pour la santé. C'est dans toute diocèse qui gagne commission ça, gagne commission ça, commission pour la santé li existe. Et gagne commission épiscopale pour la santé qui gagne à la tête li yon évêque. Gagne commission pontificale pour la santé qui gagne à la tête li yon cardinal, et pour Caraïbes là, et puis pour pays Amérique latine yo gagne yon commission qui existe. Donc commission pontificale pour la santé, commission pastorale de la santé en Amérique latine et aux Caraïbes, ça est pour l'église là, oui. Commission épiscopale pour la santé et commission diocésaine pour la santé. Non seulement il y a commission diocésaine pour la santé, il y a commission paroissiale pour la santé. Il y a comité malade, comité santé. Dans toute paroisse, doit gagner comité pour la santé,
commission pour la santé ou bien pastorale de la santé, pastorale des malades. Maladio doit gagner une attention spéciale. Même Jean-Jésus lui bail une attention spéciale à maladio. Moi t'es malade. Jésus tellement aimé les gens qui sont malades, il identifie la maladie. Moi, je suis malade, nous te venons visiter, nous te prenons soin. Tout ça, nous fait pour vous, dans les petits, dans les frères, c'est pour moi-même, nous faisons. Jésus pas seulement identifié à les gens qui sont malades, mais Jésus lui-même tout, il guérit malade. Nous voyons ça dans l'évangile. Il y a un lépreux qui est malade, Jésus guérit. Et Jésus là, dans le temps, nous, l'a touché, nous, l'a béni, nous, l'a guéri, nous. L'a porté guérison pour nous. Il y a un monde qui est malade, médecin, pas qu'à faire rien pour eux, mais Jésus capable de faire. Jésus capable de guérir, nous. Nous avons besoin de faire confiance. Encore une fois, Père Talleyrand, merci. Et merci à tous les membres de la commission diocésaine pour la santé. Je ne connais pas qui est dans l'église, là, membre de la commission diocésaine pour la santé. Mais je connais quelques paroisses qui ont une délégation. Tout le monde qui est dans la santé, dans la paroisse là, dans la paroisse Altagrasse et dans l'autre paroisse, qui est dans la pastorale santé, pastorale malade, nous avons demandé nous pour nous faire un petit campé. Tout le monde qui est dans la pastorale santé, qui dans pastoral malade fait un petit campé. Nous-mêmes qui sommes dans son pastoral qui est important en pile pour l'église là. Et nous même qui dans pastoral ça, y a font travail extraordinaire. Et de me dire merci pour le travail que vous avez fait. Nous félicitons nous et nous demandons pour bon Dieu continuer accompagnez-nous dans notre travail, ça, bonne mission. Et récompense-nous, liant pile dans la main, bon Dieu. Nous avons dit merci, merci docteur Rebecca, nous avons fait Tichita. Nous avons dit merci à servant d'hôtel, merci à musicien, nous, Maestro Benson, merci à chorale CNDA. En nous battant bravo pour vous, bon Dieu, merci. Merci. Grand pile moins pas ouais jodi ah oui. Y a les vacances carnaval. Grand pile moins pas ouais, Dieu m'a demandé pour yo oui. Grand pile moins pas ouais oui. Yo pè la rue. Hein. Ah bah yo difficile pour oui dans la rue. Hein. Bagay yo difficile en pile. Situation ça fait bon Dieu mal. Situation ça fait nous mal. Situation ça fait l'église la mal. Tristesse, souffrance, yon peuple li monte beaucoup de bon Dieu. Et li joine écho dans que l'église là. L'église là pas indifférent à ça que nous avons vivre comme monde, à ça que nous avons vivre comme peuple. Mais message l'église là envoyé. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, hommes et femmes de bonne volonté, en ces heures de frayeur et d'angoisse que nous vivons, la conférence des évêques catholiques d'Haïti se tourne avec confiance et espérance vers le Dieu de la vie pour implorer son secours bienveillant en faveur de notre mère patrie en danger. Au nom de Dieu, la conférence des évêques catholiques d'Haïti appelle les autorités à mettre immédiatement un terme à la souffrance du peuple dont la volonté s'est exprimée sur tout le territoire, particulièrement ce 7 février 2024. Le sang et les larmes ont assez coulé à travers les assassinats, les kidnappings et les viols perpétrés au cours de ces 3 dernières années. Nous en avons assez. Fermez la vanne de sang et cessez
de faire compter des morts. Témoin de la misère et de la souffrance de nos concitoyens dans les 10 départements du pays, nous, évêques de la Conférence épiscopale d'Haïti, lançons un vigoureux appel au Premier ministre, Dr. Ariel Henry, pour qu'il se rende compte de la gravité de la situation actuelle et prenne une décision sage pour le bien de toute la nation qui est sérieusement menacée dans ses fondements mêmes. Nous exprimons notre proximité et nos sincères condoléances aux familles des victimes des derniers événements. Nous invitons nos chers compatriotes à ne pas tomber dans le piège de la violence et des luttes fratricides qui bafouent notre dignité, défigure notre humanité et déshonore l'image de notre pays. Mobilisons toutes nos énergies, unissons-nous et agissons et engageons-nous ensemble, résolument, sans violence, sur la route qui nous conduira à l'Haïti nouvelle que nous désirons tous et toutes. Que Notre-Dame du perpétuel secours veille sur la patrie en danger et nous aide à vivre des jours meilleurs. Donné au siège de la Conférence des évêques catholiques d'Haïti le 8 février de l'an de grâce 2024. Suivent les signatures des évêques catholiques, Mgr Max Leroy-Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince et président de la Conférence, Mgr Pierre-André Dumas, évêque d'Anse-Savoie et de Miragouane, vice-président de la CEH, Mgr Désinor Jean, évêque de Hinche, économe de la CEH, Mgr Joseph Contrand des Costes, évêque de Jérémie, secrétaire général de la CEH, Chibli Cardinal Langlois, évêque des Cas et conseiller, Mgr Loné Saturné, archevêque métropolitain du Cap-Haïtien, Mgr Marie-Glandas Toussaint, évêque de Jacmel, Mgr Kenel Alphonse, évêque de Fort-Liberté, Mgr Yves-Marie Payan, évêque des Gonaïves, Mgr Charles Peters Barthélus, évêque de Port-de-Paix. Donc, c'est notre conférence-là, les foyers. Nous souhaitons que les gens qui ont des oreilles, que les oreilles disent oui. Que les oreilles disent oui. Si les oreilles n'ont pas dit, ils ont parlé déjà. Que les gens qui ont des yeux, ils n'ont pas oué. Si ils ont été oué, ils ont fait qui choisit oui. Pour condition la vie du peuple améliorer. Que les gens, pour pouvoir, ils sont prêts pour faire tout le bagage. Plutôt tout le monde mourir, il aurait été et il aurait conservé le pouvoir. J'en ai l'autre pays, il a respecté la vie du monde. Mais ici, la vie du monde n'est pas respectée, malheureusement. Nous devons respecter la vie. L'homme créé ressemblait avec mon Dieu. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il faut nous respecter le monde. On a la prière pour nous capables de gagner. Bon dirigeant, bon responsable, monde qui remet le pays, monde qui remet le peuple, et monde qui travaille pour le peuple vivre bien, vivre dans la sécurité, vivre dans la dignité, pour le peuple capable de bien-être matériel et spirituel. Nous avons besoin de changement dans le pays. Et c'est nous tous, peuple haïtien, qui devons mettre la tête nous ensemble pour changement ça, les capables de vivre fait. Merci à nous tous. Merci pour la présence. Nous. Merci pour la collaboration. Nous. Merci pour remettre nous pour mon Dieu, pour remettre nous pour l'Église. Et nous avons besoin de bons chrétiens tant que nous pour qu'ils fassent politique, oui. Chrétiens capables de faire politique, oui, nous devons faire politique. Nous sommes citoyens. Nous avons besoin de bons chrétiens. Nous connaissons nous des bons chrétiens, des gens sérieux dans tel pays. Hein? Bah, il a changé. Nous avons besoin de bons chrétiens. Pas dire, ah, ces chrétiens n'ont pas dans la politique. Non, chrétiens doivent faire politique. Chrétiens doivent faire politique. Ça qui a passé dans le pays, hein? Les concerne. Mais ou pas doivent faire politique même avec tout le monde. Vous devez faire bon politique, politique pour pays ou prend chemin progrès, chemin développement, politique pour monde vivre bien,
dans la dignité. À nous continuer à agir, à nous continuer la prière pour payer nos frères accès bio. L'autre annonce que nous gagnons, nous avons gagné dernière messe là, qu'a célébré après-midi à 4 heures. En semaine, messieurs a fait à 6 heures, à 7 heures et à midi. Mercredi 14 février. Qui s'alliait? Mercredi des cendres. 14 février, année ça, c'est mercredi des cendres. Donc, tout chocolat, yo, c'est Jésus qui a joint. Hein, c'est Jésus qui a joint tout chocolat. Yo. Donc, Jésus qui a joint tout chocolat. Yo. Donc, nous avons gagné 3 messes avec imposition des cendres. Nous avons gagné messe à 6 heures, vous entendez? 7h30 à midi. 6h, 7h30 et midi. Donc, nous ne sommes pas obligés de prendre tous les 3 messieurs. C'est vrai, son jour spécial, son jour de prière, journée de jeûne et d'abstinence. Mais au moins, faire effort, prenons messe avec imposition des cendres. Et puis, son jour des amoureux. Et l'amoureux par excellence, c'est Jésus. Dans le mercredi des cendres, ça. Jour de jeûne et d'abstinence, nous avons exprimé tout remède que nous avons à cœur, nous, par Jésus. C'est l'ouverture de carême. Nous allons entrer dans un nouveau temps. Nous avons des gens qui ont senti le carême. Ils ont senti le carême. C'est l'ouverture de carême. Donc, mercredi décembre, nous sentons le carême dans la fini. Nous avons préparé pour ça. Et puis, pendant. Tant carême, non? Chaque vendredi, à 4 heures, nous avons gagné l'exercice du chemin de la croix. Samedi 17 février, journée de prière et de louange, messe à 6 heures, à 7 heures, à midi. Et puis dimanche 18 février, premier dimanche de carême, messe à 6 heures, à 8 heures, à 10 heures et à 4 heures. Nous voulons dire merci à nous toutes. Merci. À tout groupe, à toute chorale, à tout comité, à techniciens, caméramen, à tous téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices. Merci à tous bienfaiteurs paroisse là. Moi, il y a un monde qui est là, qui est des paroisses là en pile, oui. Merci en pile. Merci. Je ne vais pas citer, non, mais nous connaissons un monde qui toujours participé dans toute activité de l'église là. Nous disons merci. Mon Dieu, bénis-nous. Pour bon Dieu continuer bénir famille nous, bénir projet nous, et pour bon Dieu ben nous plus moyens pour nous capables d'aider. Et nous demander pour Jésus, couvrir-nous avec son précieux lit. Et pour maman nous, la Vierge Marie, continuer la prière pour nous joindre toute grâce, toute bénédiction. Dans mes petites lits, Jésus-Christ. Nous disons bonne fête à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. C'est là qui a célébré. Nous sommes capables d'avancer devant l'hôtel là, Père Talleyrand. Bénis-nous. Joyeux anniversaire à tout le monde qui a célébré. Nous disons bonne fête. Le monde qui est dans l'église là. Je pas de nom, Billy Kembe Fey là dans mes lits. Il n'y a pas bon moine pour me dire bonne fête. Mais bonne fête à tout le monde qui a célébré anniversaire. Merci Billy. Gen Rose Mayel, Saïd Capierre, Rodolphe Cadet, Suze Wagnac, Thermidor Daphné, Vital Hermione, Aloud Bruno, Mathieu Maï Kaila, et Esther Hippolyte Dédé, Aladin Fadjine, Anne-Karine Gabriel, Chloé Grasse Franklin, Donald Julin, Juliette Prend Josette Fallon, Emilien Hérode, membre chorale Saint-Famille, Herbie Lindor, Hermione Saint-Hilaire, Kimara Rijouli, La Falaise Elwin, Lourde Rwana Destinée, Lourde Marie-Grâce Jean-Philippe, Marie-Ketli Bernadelle Viltus, c'est Marie-Ketli Bonne Fête, Marie-Lourde Robin, Marie-Pauliana du Village, membre grande chorale et équipe liturgique, Martine Cadet,
et Madame Amélie dans l'image, Sœur Brigitte Jean-Baptiste, membre groupe Ami de Marie, Muriel Rocher, Révérend Père Gilbert Néglus. Bonne fête à tout l'autre monde qui a célébré. C'est pour grâce, mon Dieu, tomber sous nous en abondance. Joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire. C'est pour mon Dieu. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour les malades. Priez pour les malades. Notre-Dame de Lourdes, priez pour les malades. Notre-Dame de Lourdes, priez pour les malades. Notre-Dame d'Altagrâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour nous. Notre-Dame du Perpétuel, secours. Secours-nous, secours Haïti, secours le monde entier. Protégez l'Église, protégez nos foyers, bénissez vos enfants. Saint Michel, archange, défendez-nous dans le combat. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Sang précieux de Jésus, tombez sous nous en puissance. Sang précieux de Jésus, tombez sous nous en puissance. Tombez sur Haïti en puissance. Sang précieux de Jésus, tombez sur Haïti en puissance. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Alors, frères et sœurs, disons toutes nous chaque merci. Merci avec toute paroisse qui des délégations qui sont venues pour la messe jeudi. Nous disons tous merci pour la présence nous, merci. Et pour le travail qu'on a fait dans la paroisse, nous avons accompagné les maladies. Merci avec la paroisse Altagrâce et recevoir jeudi pour la messe là. Nous disons merci. Merci avec le clergé paroissial là, spécialement le révérend Père Francky Désir, curé paroissant, général diocèse là, et alors ancien directeur commission diocésaine pour la santé. Alors, il travaille dans la commission comme directeur commission et que m'a suivre par l'IS, ça a été tracé pour nous, orientation que l'été quitté pour pastoral là. Alors, merci beaucoup, mon père. Merci pour conseil et toujours pour accompagnement. Ou bail avec pastoral ça. Alors, nous continuons à compter sur la collaboration, nous tous, pour être avec Sonio, pour que le pasteur Allah arrive rempli la mission que l'Église l'a confiée. Parce que le but principal, là, c'est permettre à Mounio d'évangéliser et que vous sentiez la présence de l'Église là, beaucoup de vous, surtout dans les moments difficiles. Merci pour nous tous, merci pour nous chaque. Moi, je souhaite un bon dimanche, bonne méditation. Bonne semaine et bonne fête, Notre-Dame de Lourdes, à vous tous.
Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.